Salut à tous, c'est Ngo, on se retrouve pour l'épisode 16 sur Surviving Mars. On est reparti. Alors, on avait quand même réussi à sortir un peu la tête de l'eau. On a réglé les problèmes de fuite, tous les problèmes de câble. On est à plus 72 là d'un coup. Donc ça servira à rien, ça non plus. Mais à rien entre guillemets, parce qu'on en aura quand même besoin en réalité. Dès qu'il y a des problèmes. Ok. Après, mettre un réseau de drones ici, ça m'embête parce qu'il n'y a rien à exploiter, donc je pense qu'on va attendre. Je voulais en mettre un là, hein, comme je l'avais dit dans les épisodes précédents, mais ça va attendre au final. Alors, tu en es où, toi? Toujours un petit manque de monde quand même. Là, ça serait quand même une prio, hein, les gars. C'est quand même une grosse priorité ici. Alors, 11 sur 24, 14 sur 14. Ingénieur. Un géologue, bon. Après, ils devraient quand même se débrouiller eux-mêmes, passer d'un dôme à un autre, je pense. On va vérifier ça quand même au cas où. Research complete. Ok, nouvelle recherche, c'est parfait. La prochaine, c'est quoi? Ferme augmente le confort. Ouais, voilà, alors ça c'est très bien. Ok. On va le faire maintenant. Je pense qu'en énergie, on n'est pas trop mal. Donc on va le faire. On va pouvoir voir ça aussi après. Centre de navette. Il me tarde de voir comment ça fonctionne. Commence à avoir beaucoup de choses là-dedans. Ça va attendre un petit peu quand même. Il va falloir prévoir ça aussi. On va peut-être avoir des naissances à un moment. Alors peut-être une fois qu'on aura le grand dôme. Ah, il va peut-être falloir construire les câbles ici aussi. À un moment donné. Alors attention, l'oxygène. L'oxygène, ok, c'est parce que ça n'a pas été réparé. Alors on va récupérer ça. Attendez, ils sont 6 à bosser là-dedans. Production là, ça augmente un peu ou... Ok, là il y en a qu'un. Alors pour l'instant ça me va qu'il y en ait plus qui bossent là-dedans. Mais quand même... Ok, on voit un gars qui sort. C'est marrant, on voit le petit ascenseur là qui descend. C'est excellent. Je sais pas s'il y aurait moyen de voir en fait. Parce que là, je l'ai posé vraiment sur le truc. Mais il y a peut-être moyen de voir le trou, je sais pas. Bon, en tout cas, il stocke pas là. On a production de 11, 7, ouais, quasiment 12 par sol. Ça, c'est terminé. Très bien. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne.
le voir après. Faut absolument que j'arrive à alimenter en minerai en fait ici. Ça serait vraiment bien. Alors, celle-ci, on va la renvoyer. Je pense. Quoique, non, l'autre est prête là. Ouais. Alors. On va déjà renvoyer celle-là. Ouais, on est en train de sérieusement tirer sur les... Ouais. Ok. Va falloir produire plus là, les gars. Va falloir réparer ça aussi. Est-ce qu'on a un peu de métal à ramener manuellement? Il y en a dans le coin, mais... C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ok, ils ont tout réparé. On va les laisser là pour le moment. Proche d'ici, il n'y a pas beaucoup de métal à la surface. Il y en avait pas mal dans le coin. Alors, ce qu'on peut faire par contre, c'est ça. Voilà, comme ça, eux, ils vont bosser. Car il y en a un peu là. Allez. Alors, la fusée, c'est parti. Fusée cargo. Elle va faire du bien, celle-là. De toute façon, en plus, on a plus de... Ouais, on avait quasiment plus d'électronique. Les dépôts universels au final c'est un peu bordélique. Parce que là ils vont tout me mettre ici hein, je pense. Bon, c'est pas très grave mais ça m'oblige à faire de la logistique. Je vais perdre un peu de temps. Production par sol, alors réserve de nourriture. Comment est-ce que ça fonctionne ça? Alors par exemple, ok, on est repassé là, c'est bien. D'ailleurs, les petits gars là, il y a des câbles à construire. Des câbles à construire, donc allez-y. Ferme fongique, alors comment elle fonctionne celle-ci ? A besoin d'eau, d'oxygène. Par contre, ça demande énormément d'oxygène en énergie. Pas assez d'ouvriers, ouais. On va la mettre en prio haute. Elle, on va la réduire un peu, du coup. Ça, par contre, c'est une grosse prio. Cable fault reported. Forcément, je viens d'envoyer le rover. Là-bas, il y a un problème. Ok, on va les mettre là. Ils vont pouvoir construire là. Il y a un petit peu de météo. Donc ça va être bon. Ce serait bien de pouvoir commencer à exploiter ça quand même. Et lui il a fait vraiment le grand tour, hein. Il pouvait pas faire pire je pense. Font exprès ou quoi? Ah non, c'est bon. Là, ils arrivent à construire là? Attendez, c'est pas.
Donc construit là. Ouais. Bon, tant mieux, hein. Funding received. Ok, on a refait un peu de thunes. Meteor shower incoming. Ok, tempête de météores. Ça, c'est pas cool. On va essayer de faire le plein jusqu'à 45 avec ce rover. On est sol 111. L'extraction demande du temps quand même pour ça. C'est assez long quand même, même en vitesse max. Enfin, c'est assez long. On va dire que ça va, mais... Ok, on va pouvoir terminer. Alors, on va laisser terminer ça ici. Ça sera impec. Là, il y a besoin de maintenance. Alors, j'avais pas laissé ici ce qu'il fallait là. Ok, il en manque un peu. Ce qu'on va faire. Tiens, toi, hop. Dépose ça là. Ok, on va te renvoyer ici. Là, ça a l'air de stocker. Ok, il y a des problèmes ici. Alors, on va accélérer ça. Ok, ils sont encore en train de décharger la fusée. Ça a l'air de bien bosser là quand même. Hein. Ouais, ouais, ça bosse là. Cool. We have an oxygen. Our colonists are suffocating. We only have a few hours to get them more oxygen before they run out. Stop. D'accord. Ok. Vous allez pas me dire qu'ils ont pas réussi à réparer ça depuis tout à l'heure quand même. Faut pas déconner les gars. Largement ce qu'il faut pour réparer là. Bah alors largement quoi. Donc please. Arrêtez les conneries un peu. Il y a combien de drones là-dedans? Aucun qui a signé, d'accord. Genre, toute ma production d'oxygène est tombée en panne, quoi. C'est quand même impressionnant, ça. Ok, là du coup, on a des problèmes, on produit plus de polymères. Ah là 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 là. Alors, il manquait quoi ici? Il en manque 12.
Allez, va chercher. Ok, on va déposer ça là. Ça servait à rien d'en mettre deux là, enfin quoique. On va voir comment ils vont exploiter ça par la suite. Hop. J'ai quand même bien envie de terminer mon grand dôme un jour. Ok. J'ai l'impression que ça manque encore de monde, hein. C'est incroyable hein, quand même. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'ailleurs ici? Est-ce qu'un bar de l'espace ça servirait ici? Je suis pas sûr. Pas dans un petit dôme quand même. Par contre ici l'atelier d'art je l'avais mis quand même, ouais. Ici ça servira pas grand chose ça. Je vais peut-être mettre une petite fontaine. Ah, on pourra en mettre plusieurs, d'accord. On va en mettre une grande. Hein. Si ça peut améliorer l'espace de vie du dôme, ça me va. Ok, il manque du béton encore. Si j'ai bien cliqué là, voilà. Il va falloir qu'on prévoie d'extraire du béton là. Okay, on va le mettre là. Alors, ça serait bien de la charger celle-ci un petit peu plus. Mes chers amis. Alors, ça serait bien aussi de produire, hein, mais. Énormément de monde qui bosse là. Alors, comme on le voit là, avec l'immeuble en plus. Ça bosse beaucoup mieux partout. Là, il n'y a plus de problème dans ce dôme quasiment. Celui-ci, par contre, oui, forcément. Parce que là, il demande vraiment beaucoup. Il y a tout. Il y a une infirmerie, il y a un poste de travail. Donc ce dôme est pourri. Hein. En fait, il faudrait que je dégage ça. Mais ça va poser un problème hein, si je fais ça. Sinon, il faudrait dégager ça. Ce que je viens de construire en réalité. Ça sera peut-être un truc à faire. Hein. Je le ferai peut-être. Dégager ça pour mettre. Alors, peut-être pas un immeuble. Mais on a les maisons intelligentes. Ah, 4 espace résidentiel 4. Non, mais attendez. Ah, par contre, on a les immeubles intelligents aussi maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal.
Ah ça, il va falloir un grand dôme pour ça, c'est obligatoire. Les maisons intelligentes. Ah ça prend pas tant de place que ça au final. Ok, je vais péter la fontaine en fait. J'aurais dû regarder avant. On va mettre une maison intelligente. Alors attendez, par contre, qu'est-ce qu'elle demande? Ouais, ça va. Ok, toi c'est bon. Toi c'est bon. Tu vas tout décharger là. On va quasiment avoir fini le dôme. Meteor incoming. Ok, les météorites arrivent. Ok, on va avoir des réparations à faire ici, je pense. Hein, ouais. C'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. Alors, te prends pas une météorite quand même sur la gueule, s'il te plaît. Bon, en tout cas, on n'a plus de problème depuis un petit moment avec les colons, donc ça, ça fait plaisir quand même. On va pouvoir terminer le dôme, on va voir ce qu'on va faire dedans. Meteor incoming. On va essayer de faire un lieu de vie sympa, où les seules industries, ça sera ici, l'exploitation des minerais. Je pense que ça va être pas mal. Anomaly found. Une anomalie trouvée. Oh, c'est parti. Un boost de recherche. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui leur arrive là? Meteor incoming. Ouais, ok, j'ai compris. Dépêchez-vous. Hop, vite. Ok, on va bientôt pouvoir se prévoir le dôme. Ça me fait vraiment plaisir. On va prévoir crèche-école, c'est sûr. Peut-être université, des logements, de quoi les faire vivre correctement. Et ce sera top comme ça, je pense. La nourriture, ça a l'air d'aller, hein. Alors là, ça bosse, ça y est. Ok. Bon, il n'y en a qu'un qui bosse, mais bon. Alors ça c'est quand même incroyable. Ok, 1500 science, c'est parfait. Il a déjà connu une défaillance alors qu'il n'a même pas fonctionné encore. C'est un peu abusé quand même les gars là. Vous trouvez pas que vous abusez un peu quand même? Il va vraiment falloir que j'ai les navettes de transport hein, pour me débrouiller. C'est le bordel hein, sans ça. Je pense que ça va vraiment nous sauver la vie. Ingénierie du dôme. Ok. Bon, ça pourrait être intéressant aussi. Hein.
On va lancer ça, on va récupérer un peu de thunes peut-être également. Même si ça va nous prendre du temps. Meteor incoming. On a des polymères là, tiens. Alors forcément, hein, ça tombe sur mes câbles. Hein. Ça pouvait pas tomber à côté. Faut que ça tombe sur mes câbles. Ok, je vais laisser un peu de métaux ici. Là-bas, il y en a, ok. C'est infernal ces câbles, hein. J'en peux plus en fait de ces câbles. Je commence à plus en pouvoir là vraiment. Bon, là il y aura de quoi réparer, là il y a de quoi faire aussi. Allez, dépêchez-vous les gars. Ok. Pourquoi il ne fonctionne plus Cherche des drones, ouais, non mais d'accord, mais ils ont de quoi se recharger ici, hein, les gars. Qu'est-ce qui se passe? On va emmener le rover. 7 sur 30, ça décolle pas trop là. Ah là 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 là, faut qu'on répare ça vite ici. Ouais, d'ailleurs c'était ça. Alors, toi. À 5 ça va aller, hein, je pense, pour la maintenance quand même. Peut-être arrêter les conneries ici. On va être un dépôt universel. En fait, pour les zones comme ça, les dépôts universels sont mieux, je pense. Par contre, pour les zones de vraiment là où il y a les fusées, les dômes, tout ça, c'est moins bien. Il vaut mieux trier. Ok, c'est bon. Ils sont en train de tout réparer. Je sais pas ce qui leur est arrivé là. Si c'est le bâtiment qui a connu une défaillance ou pas. C'est étrange. Alors, il y a un truc que je voulais voir. Avec ça. Usine à drone. Donc, ça pète encore. Nanana. C'est les tunnels. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Alors aucun contrôleur de drone à proximité, j'ai bien compris. Hein. On va faire un test comme ça, juste si je le pose là. Ok,
Ok. En fait, ouais, ça pourrait fonctionner en réalité. Ça me ferait pas gagner grand chose. Alors peut-être ici par contre, ouais. Si je le pose là. Et là, ça fonctionne. J'ai bien envie de le faire. Parce que là, ça permettrait de passer comme ça. Je pense que ça serait plus rapide au final. Juste pour le fun, on va le faire. Les câbles, toujours les câbles. Ah, ça y est, bien sûr, en plus, il y a un problème sur le rover. Toi, tu vas éviter de perdre ton temps. Encore. C'est impressionnant. Alors j'ai réussi, je crois, une fois à réparer manuellement comme ça, mais là, ouais, ils ont pas envie. C'est pas grave. Allez, chargez-moi cette fusée là de métaux rares. On en est où d'ailleurs ici? Sur le gisement. Je peux plus voir. Bon. Pas très grave. Ok, il va falloir réparer tous les petits robots, hein. C'est incroyable. Ok. Alors, on revient là, on a oublié de tout déposer. Tout, voilà. Ça, c'est déjà rempli d'eau, hein. C'est impressionnant. De toute façon ici je crois que on va faire ça. On va en mettre 4 carrément. Voilà. Ce sera fait. Les métaux, c'est reparti. Bon, on n'est pas trop mal là. Prochain épisode, je pense vraiment. Alors, le dôme, il en est où? Ok, il manque 40 en béton. Il sera fini et on va pouvoir s'occuper de ça. Le seul truc qui est vraiment embêtant dans le jeu, quand même, qui me commence à m'agacer, entre guillemets, c'est ces foutus câbles qui, en permanence, ont des problèmes. C'est lourd. Hein. Je dois bien l'avouer quand même que c'est lourd. Bon après c'est comme ça, mais je trouve que c'est trop fréquent en fait. Beaucoup trop fréquent. C'est pas très agréable, mais bon. On va faire avec pour le moment. Peut-être qu'avec les... Ah, je pense pas que les autres drones pourront réparer. Il faudra vraiment le rover assigné à ça pour le faire. Ok, dans tous les cas, on n'est pas trop mal parce que là, nos colons ont l'air d'être heureux. Hein. Au final, on s'en est bien tiré là-dessus. Non, on a 3 colons à problème. Ok, qu'est-ce qui se passe? Travail en dehors du dôme. Alors ça, on l'avait pas. Avant, les problèmes étaient là-dessus, sur le confort et le moral. Là, maintenant, c'est vraiment... Parce qu'ils travaillent en dehors du dôme. En tout cas, ils se sont installés ici, c'est bon. On aura peut-être des petits départs à la prochaine navette, mais bon. Faut faire avec, de toute façon, ça va être un peu comme ça tout le long, je pense.
Ok. Alors, il demande quoi lui déjà pour être construit? Oula, j'avais pas vu. J'avais pas vu les 30 ans. Ok. On le fera une autre fois. Hein. Pour le moment, on n'est pas du tout assez autosuffisant. On va venir déposer un peu de métaux ici. Ça commence à... Non, d'accord, ça c'est le béton. Research complete. Métaux, il n'y en a pas des masses. Élimination de la poussière, ça fait plaisir. On aura bientôt la propulsion par CO2, on l'aura dans le prochain épisode, je pense. Ça c'est très intéressant. Alors c'est nouveau, ouais, c'est le Mégadôme. Excellent ça quand même. Il va falloir finir ces petites recherches là aussi, je pense, un moment. Alors mon rover est où? Il est là. Ça n'arrête jamais hein, les câbles, ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Ok, dans tous les cas on se quitte ici. Franchement je suis content, on aura bien avancé. On aura réglé pas mal de problèmes. On a bientôt notre nouveau dôme qui va être vraiment le dôme avec les crèches tout ça. Je vais quand même essayer de prévoir ça. J'ai envie d'avoir un dôme vraiment. Il n'y aura pas d'industrie, les seules industries elles seront autour. Et je pense que ça va être sympa ici. On pourra peut-être avoir nos premières naissances sur Mars. Ça sera vraiment cool ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu une fois de plus. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous !